Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais donc vous montrer comment réaliser cette petite pochette organiseur pour ranger les aiguilles. Voilà, là. Ici, on a les câbles. Alors, il va nous falloir du fil, deux coupons de tissu, un feutre qui s'efface avec le fer, un fer de toute façon pour bien plier, bien repasser, éventuellement des petites des épingles. Donc on a dit le fil, allez, avec ça, là, des boutons, aussi ciseaux, cutter, voilà, pour faire votre coupe, plaque de coupe si vous avez, ça ce serait formidable, également un dé, une aiguille, pour coudre ceci. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, donc vous allez couper deux rectangles de 14 par 36, 10 rectangles de 24 par 24, un rectangle 4,5 par 10. Là, ça, c'est les bandes, voilà, qui nous serviront pour faire ceci. Donc là, alors moi, j'en ai fait deux. Vous voyez, hop, hop, hop. Là, j'aurai plus qu'à piquer ici. Là, nous avons nos deux bandes de 14 par 36, 14, 36, et ici, j'ai donc 5 et 5, 5, 5, voilà, bon, ah ben je vais... Également, vous pouvez utiliser de l'entoilage si vous souhaitez pour renforcer un petit peu. Moi, je ne le souhaite pas. Je l'ai quand même utilisé ici parce que c'était du lin. Mais franchement, ça complique un petit peu l'existence. Donc, si vous êtes débutante en couture, je ne vous le conseille pas. Hop là. On va piquer, piquer. Ensuite, thank you.
en laissant ici cette ouverture et on va piquer à 1 cm du bord. 1 cm. Voilà. Pour les 5 fois comme ça. Voilà, alors là j'ai donc piqué tout autour. Maintenant, tout autour, hein, voilà, à 1 cm du bord. Maintenant, on va retourner notre petit ouvrage, on ouvre par ouverture. Donc délicatement, retourne et là on va bien venir sortir les angles. Voilà. On le fait déjà au maximum avec les doigts et après, alors moi j'utilise soit ceci, donc une baguette du chinois, hein, tout simplement, mais aussi donc une baguette du chinois, comme ça vous venez bien, en fait il faut bien venir, vous voyez, pour sortir les coutures là, voilà, et ça on le fait bien tout autour, vous voyez, bien ici, et après on va repasser tout ça, je trouve plus l'ouverture. Ah zut. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser, si vous avez un ciseau, un vrai ciseau de couture, vous pouvez utiliser les bouts, le bout, mais vous faites doucement parce que vous voyez, hop. Et là même avec ça, ça fonctionne pas forcément, donc là je prends une petite épingle. Et vous voyez, je vais venir sortir l'angle. Alors, il faut le faire assez délicatement parce que sinon, on abîme. Voilà. Parce que les angles, après, c'est... Moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à bien faire, mais comme tout le monde. Et voilà, donc là, j'ai retourné mon objet, mon ouvrage. Maintenant, je vais aller le repasser. Et puis, voilà, une fois qu'il est repassé, il est bien plat. On a l'ouverture qui est toujours ici. Donc, on va venir faire une surpiqûre. On va surpiquer tout autour à 1/2 cm du bord. Voilà, donc je suis allée repasser mes 5 petites pochettes. Et maintenant, je vais pouvoir faire la surpiqûre à 1/2 cm du bord, tout autour. C'est parti! Voilà, donc je vous montre, vous voyez la petite surpiqûre tout autour, à 1/2 mm du bord environ. Hein. Voilà, comme ça au moins ça aplatit bien toutes les coutures. Et on fait les 5 petites poches comme ça. Alors, j'ai donc cousu et j'ai plié mes petites pochettes. Voilà, donc moi, j'ai décidé de mettre l'imprimé comme ceci à l'intérieur des pochettes et le Vichy à l'extérieur. Donc, j'ai mes cinq pochettes. Maintenant, je vais m'occuper du rabat puisque je ne l'ai pas encore cousu. Donc c'est la bande qui fait 36 par 14. Vous la récupérez et avant de la piquer, donc on va la piquer bien sûr, hein, endroit contre endroit. On n'oublie pas, on ne se trompe pas. Boum. Et c'est surtout qu'il va falloir aussi placer notre petite boutonnière. Comme ici, ça on va la mettre comme ceci, en fait,
va la placer à l'intérieur pour pouvoir l'appliquer entre les deux coutures. Je vais préparer ça et je vous montre. Donc déjà, on a une petite bande. Hein. Le rectangle qui était de 4,5 par 15 ou 20 cm, on l'a donc plié en 4, on l'a piqué hein, sur le bord. C'est ce qui va nous servir. Là, moi, je l'ai coupé à 10 cm de longueur. C'est ce qui va me servir à faire ma petite boutonnière. Donc en fait, on le plie hein, de façon à ce que ça fasse une espèce de flèche. Oui. Comme ça. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Voilà, par exemple. Bon, voilà. En plus, ça tombe pile poil. Donc, ça, on va venir le placer avant de piquer les deux grands bords. Les épingles. Donc là, je vais. Moi. Ça, c'est ce qui va être à la vue. Donc, je vais le placer ici. Je referme. Vous voyez, ça passe là. Et je viens le placer ici. Vous viendrez mesurer, puisque là, on est à 14. On va le placer à 7 cm. Et comme ça, on pourra coudre partout à 1 cm des bords. On laisse une ouverture ici. Voilà, voilà. Alors, j'ai donc... je vous montre. J'ai donc fait... J'ai cousu la couverture. Là, enfin, ce qui va nous servir pour envelopper nos petites pochettes. Avec la fermeture qui est ici. Donc là, c'est maintenant que ça va se corser un petit peu. Déjà, il va falloir pratiquer par ordre. Donc on va devoir commencer par là. Voilà. En fait, on va d'abord piquer... Alors, on va prendre... deux pochettes, une, deux, on va venir les mettre l'une contre l'autre et on va venir faire à 3 cm du bord, 3 cm du bord, je vais vous faire les, on va faire des piqûres pour pouvoir placer nos aiguilles. Voilà, donc là, j'ai préparé avec le feutre, voyez. Alors, tous les 3 cm, j'ai mis un repère et j'ai tracé une ligne. Donc, je vais venir piquer et jusqu'à 10 cm. Ici. En fait, il faut que ce soit avant la pliure. Voilà les 3 piqûres que j'ai faites. Là, ça va être des passants de 3 cm pour mettre les grosses aiguilles, genre numéro 8 et numéro 7. Voilà. Je vais refermer. Là, je prends une autre. Je viens la placer contre. Et là, pareil, je vais venir piquer à 3 cm du bord, 3 cm du bord. Et là, je vais faire deux passants de 2 cm. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai tiré mes repères à 3 du bord, 3 du bord. Et ensuite, j'ai fait à 2, 2 et 2 sur 10 cm. Voilà, à 10 cm. Allez, on va faire les 4 piqûres.
Donc là, je vais effacer les traits et puis les petites écritures avec le fer à repasser. Vous voyez, c'est vraiment magique. Alors, je vais venir faire des repères à 13,5. Et maintenant, on va prendre ici, donc ce rabat que je vais venir positionner ici. Ok, donc là, on a placé à 13,5. Donc maintenant qu'on a toutes nos petites pochettes, on prend ça là et on vient piquer ici ensemble. Donc là, ce sera là. Là, là. Pour venir fermer le soufflet. Voilà, donc vous voyez que ça commence à prendre forme hein, et on continue tranquillement à venir coudre les petits soufflets des côtés. Voilà. Et ici. Voilà, donc quand on a tout cousu, tous les petits soufflets sur les côtés, on va rester avec le dernier là. Et là, c'est là que ça va être un tout petit peu technique parce que il va falloir pouvoir fermer le soufflet, mais en même temps prendre le devant là. Donc on va venir comme ceci, on met les petites épingles et ce qu'on fait c'est que pour venir piquer, parce que ça va pas être facile hein, vous allez retourner le travail comme ceci et comme ça vous pouvez venir piquer les trois épaisseurs en même temps. Voilà. Ça, c'est la petite difficulté de ce travail là, mais bon, ça se fait hein. Alors on se retrouve après. Voilà, donc j'ai cousu sur les côtés et maintenant j'ai plus qu'à placer mon bouton. Alors le bouton, placez-le en fait, laissez suffisamment de jeu sur le côté parce que selon les aiguilles que vous pouvez avoir, si les aiguilles dépassent un tout petit peu, voyez, donc on laisse un peu de marge. On va se placer notre bouton à ce niveau là voilà, on va le coudre. Alors j'avais une aiguille qui était ici. Là on vient au travers de la petite poche voilà.
Et voilà. Bon, voilà, je vais finir ça tranquille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos réalisations. Merci!